sur Angel Taena. Je quitte quelques instants le challenge Le Normand pour venir faire les énergies et conseils pour la semaine prochaine du 9 au 15 mai. Alors cette semaine, j'ai décidé de travailler avec le Tarot of the She d'Emily Carding, que j'aime beaucoup, associé donc pour les énergies aux Affirmation Cards de Christine Arré, que j'aime beaucoup aussi. Et pour le conseil de la semaine, j'ai décidé de faire appel à l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Comme les chies sont une sorte de fées, sans vraiment être des fées, j'ai quand même voulu un petit peu rester dans le thème de personnages extraordinaires pour finir ces énergies et conseils. Voilà. Donc, comme d'habitude, trois petits paquets de cartes, je vous laisse choisir et ensuite je fais l'interprétation. À tout de suite. Alors, comme d'habitude, trois petits tas de cartes. Donc, le premier, deuxième, troisième. Je vous laisse choisir celui qui vous inspire le plus et je vous fais l'interprétation. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes. Donc, nous avons pour la carte du tarot, la carte qui correspond aux 3 de bâton, et ensuite la carte qui s'appelle réflexion. Reflection. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans le cas présent ? Donc, ça veut dire qu'on est en parfait alignement avec nos collaborateurs, nos associés, les personnes qui sont dans le milieu de notre travail. On a appris beaucoup de choses et aujourd'hui, on a les épaules solides pour entreprendre justement de nouvelles choses. On nous fait confiance et on est prêt à nous passer le relais quelque part. Donc, il y a une association, il y a quelque chose qui se fait, il y a un nouveau contrat peut-être qui se signe ou alors une nouvelle collaboration. Voilà, il y a quelque chose de concret qui se fait. Alors, par contre, donc, on va nous faire une offre. Cette offre, évidemment, mérite réflexion. C'est une évidence. Toute offre mérite réflexion. C'est pour ça qu'on voit cette jeune femme qui est plongée dans ses pensées. Elle réfléchit aux tenants et aux aboutissants de ce qu'on vient de lui proposer. Alors, ces énergies donc sont très bénéfiques. Hein. On a des énergies de collaboration, de création et qui sont très très positives. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte du conseil, la carte des fées ? Elle nous dit que c'est un cadeau. Donc, elle parle d'offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. Donc, c'est bien ça. L'offre qu'on va nous proposer va nous permettre de montrer notre plein potentiel, ce dont quoi on est capable et nous permettre d'exceller dans ce qu'on fait. Donc c'est une très bonne chose, c'est un tirage positif donc qui est plutôt dans le milieu du travail ou d'une création de projet. Voilà pour le premier tirage. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième paquet. Donc nous avons pour le tarot la carte de l'étoile, qui est absolument magnifique. Et la carte de la beauté. Alors là, quelles que soient les énergies tumultueuses que nous avons traversées, on rentre dans une période, la semaine prochaine, où les énergies vont être stables et tout va être plutôt bénéfique et, on va dire, ensoleillé pour nous. Donc ça veut dire qu'on est plein d'espoir, on place beaucoup d'espoir en certaines choses. Et on voit beaucoup de beauté autour de nous. Donc en fait, ces deux cartes associées l'une à l'autre nous montrent tout simplement tout ce qui est autour de nous et que chaque petite chose a une beauté en elle. Et elle nous fait aussi ressortir notre propre beauté, intérieure et extérieure. Donc ce sont des cartes très très positives. On est dans une énergie d'amour, de sincérité, de partage, d'espoir. Donc, c'est très bon. Et on va voir maintenant la carte conseil de la semaine. Alors, les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Donc, en fait, associé aux deux cartes précédentes,
Cette carte va donc confirmer que en chaque chose on voit de la beauté, en chaque chose on voit quelque chose d'intéressant. Et donc on a une connexion avec la nature, avec notre environnement. On est peut-être un peu plus sensible que les autres. Et peut-être que cette sensibilité est en fait tout simplement quelque part un don. Oui et non, c'est disons une capacité qu'on a développée sans se rendre compte finalement, qu'on peut par exemple être bénéfique pour l'environnement. Donc on a peut-être la capacité d'enlever les mauvaises énergies dans les endroits où, voilà, on a peut-être des capacités qu'on ignore et qu'il faudrait développer. Donc le conseil de cette semaine, c'est justement écouter les oiseaux chanter, regarder les abeilles, butiner les fleurs. Vous allez certainement découvrir des choses qui sont en vous et dont vous n'avez pas conscience. Voilà. Et donc, cela a rapport avec la nature. Et enfin, pour le troisième paquet, pour le tarot, nous avons la lune. Nous avons la carte de l'amitié. Alors, cela signifie que dans ce cas-là, on est en train de développer son intuition. Si vous avez remarqué qu'il vous arrive certaines choses ces derniers temps et que vous ne savez pas trop comment l'interpréter, eh bien quelque part, vous n'êtes jamais seul. Avec la carte Friendship, la carte de l'amitié, vous êtes guidé, vous avez en permanence des guides, des anges gardiens auprès de vous qui vous font justement voir certaines choses, vous avez votre clairvoyance qui est en train de s'activer, et c'est une période donc qui va être liée à l'intuition pour vous. On est dans des énergies qui concernent tout ce qui est révélation, intuition, voilà, ça va être une semaine assez intéressante. Et on va voir au niveau justement de la carte conseil, donc ça confirme, puisque nous avons la porte secrète, qui est justement lié à l'intuition, aux dons de double vue, aux accès des autres, d'autres dimensions. Donc en fait, cette semaine, vous allez avoir des messages, vous allez voir, percevoir certaines choses, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre intuition est en train de s'aiguiser. Petit à petit, vous allez avancer dans ce domaine-là et percevoir de nouvelles choses dont vous n'aviez pas du tout conscience et auxquelles vous n'aviez pas accès il y a quelques jours de cela. Donc c'est une semaine très intéressante pour vous également. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Donc trois thèmes bien différents pour les énergies et conseils cette semaine. Donc j'espère que ce tirage vous sera profitable et qu'il va vous permettre justement de découvrir certaines choses nouvelles vous concernant. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Très bon week-end à tous. Bye bye.